Voilà, très chers amis, nous nous retrouvons cette fois-ci pour euh, continuer avec notre partie de la, euh, du troisième e 13e paragraphe. Et comme euh, je vous avais déjà dit, euh, nous évoluons euh, lentement mais sûrement. Soyez toujours attentifs comme d'habitude. Cette fois-ci, nous prenons la proposition 1, 1, 2 et 3. « Quantum temporum quentum tour queteris ad alias oruptates. Et ad ipsam requiem animi et corpois quantum ali tribunt convi Wis Très bien, très chers amis. Nous procédons avec uh, l'analyse d'abord de chaque mot nouveau. Alors, dans la première proposition ici, si nous regardons très bien, nous avons d'abord quantum qui est déjà notre corrélatif. Très bien, vous savez non? Quantus, quantum, l'adverbe qui veut dire combien, selon son utilisation, son emploi dans cette phrase ici. Temporum qui vient du verbe, du, du mot plutôt de la troisième déclinaison. Tempus. Nous avons encore dit tous les verbes que nous avons déjà analysés dans la proposition précédente. Que tire aussi l'adjectif certain. Et nous avons ad qui est la préposition alias déjà analysé aussi l'adjectif. Avant, olptates ainsi que et. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps sur cette proposition-là, directement, avec oh, cette construction, vous voyez très bien que j'ai ajouté ici Temporum concéditur, keteris. Vous allez vous demander, magister, pourquoi vous avez ajouté ça Or, c'était déjà là-bas. Et aussi, dans la proposition, dans le paragraphe, on ne l'a pas repris deux fois. Pourquoi je fais ça C'est parce que. Il y a la figure, des style que nous appelons l'ellipse. On a fait l'ellipse ici, on a oublié cette partie-là, c'est très important. C'est-à-dire, je vous avais dit, en parlant, la personne peut d'abord laisser quelques, quelques mots, certains mots, certains particules de mots, qu'il trouve que ce n'est pas réellement difficile que la personne les découvre et les complète dans la phrase. Et on appelle ça, on appelle ça plutôt l'omission volontaire. Alors, quantum temporum, on peut seulement trouver dans cette proposition ceci. Quantum ad alias oluptates et. On peut trouver tout simplement ça. Mais en traduisant, on peut dire. Combien de temps pour célébrer les jours de fête pour les autres plaisirs. Oluptates. Oluptas. Plaisir. Combien de temps pour célébrer les jours de fête pour les autres plaisirs. Vous allez vous demander. Mais fête n'est pas ici. Ad festos. Quantum. Voilà. Quantum. Ad festos, dies ludorum celebrandos, quantum ad alias oruptates, et. Ad ipsam. Et nous prenons la deuxième proposition qui est là. Ad ipsam requiem animi et corporis. En prenant cette partie-là, on le traduit par nous avons ad, déjà traduit. Ipsam, qui est déjà notre démonstratif, vous le savez très bien. Ipso, Ipsum. Requiem. Nous Requiem, c'est le nom de la troisième déclinaison. Requies, requies, qui veut dire repos. Nous avons aussi là les mots animi, animus, vous le savez très bien. Corporis, qui est le mot de la troisième déclinaison, le nom plutôt corpus, corporis. Alors, la réflexion sera et au repos d'esprit et du corps. Et au repos. D'esprit et du corps. Requiem animi. repos d'esprit et corporis et du corps. Très bien. Voilà déjà avec les deux propositions qui complétaient cette partie. Et à la prochaine, nous allons finir avec cette partie et nous passerons vite à la deuxième partie du treizième paragraphe de Porca Poeta, précisément dans les argumentations extra-caussantes. Au revoir.